Voilà, salut à tous. Aujourd'hui, présentation. On va faire une liste de DVD ou de Blu-ray sur les séries télé, voilà, qui sortent en zone 1 US, c'est-à-dire ce qui sort aux États-Unis. Enfin, ce qui est sorti, je vais vous faire quelques points. Alors, sur la situation de quelques séries qui sortent en Blu-ray ou en DVD aux États-Unis, c'est-à-dire en zone 1 US, la plupart n'étant pas sous-titrées, n'étant pas doublées en français. Et je vous dirai si les DVD ou les Blu-ray en question sont sous-titrés ou pas en français. Voilà. On commence par The Wonder Years, Complete Series. Alors c'est quoi cette série? C'est une série quasiment culte en France. Ça s'appelait Les années coup de cœur en France, avec Fred Savage. Série diffusée sur le réseau ABC aux États-Unis et en France en 1988 sur M6. Voilà. Le fameux générique avec la musique de Joe Cooker, vous vous en souvenez? Je ne vais pas mettre les extraits parce que maintenant on peut plus mettre les extraits sur, comme vous le savez, on peut plus mettre les extraits sur YouTube. Donc ici c'est les années coup de cœur, donc en zone 1 américaine, en DVD, donc, voilà. Là c'est 45, non, pardon, je dis en zone 1, non, c'est américaine, je dis là c'est en version anglaise, pardon. C'est le coffret US mais en vente sur un site anglais. Parce que là, on est bien sur amazon.co.uk. Donc là, on est sur le site anglais d'Amazon. Voilà. Donc là, c'est la série complète The Wonder Years et les années coup de cœur qui sort donc en version américaine et anglaise. Et ici, c'est 45 livres, l'intégrale de la série. Voilà. 22 disques hein, quand même. Voilà. Je ne sais plus il y a combien de saisons. Il me semble que c'est 6. C'est 6 saisons. 115 épisodes hein, quand même. Ils disent bien que dans la description que le DVD, la série inclut les 280 musiques qui sont à l'intérieur. Jimi Hendrix, Johnny Mitchell, The Monkees, etc. Aretha Franklin, The Temptations, Simon et Garfunkel, Diana Ross et les Supremes, entre autres. Aretha Franklin, je l'ai dit, Marvin Gaye, James Brown. The Beach Boys, The Who, enfin bref, The Righteous Brothers, Joe Cocker évidemment, et j'en passe, hein, Benny King, The Rolling Stones, voilà, il y a 280 musiques en tout cas ils ont récupéré les droits en tout cas. Voilà, c'est la première fois que ça sort en intégrale aux États-Unis. Il me semble que c'était déjà sorti aux États-Unis en version normale. D'ailleurs, ici on a le coffret, attendez, là je vais vous montrer le coffret américain. Ah oui, c'était bien la version anglaise tout à l'heure. Là, on a le coffret américain. Voilà, ça s'appelle 1-6 Deluxe Edition. Voilà, ça coûte 85 livres en Angleterre. Ça doit être un peu moins cher. On va voir tout à l'heure sur le site américain. Voilà, c'était déjà sorti en 26 DVD. Voilà, et là, ça sort en Angleterre. Donc, en zone 2 UK, hein, et non pas en zone 1 comme je viens de le dire tout à l'heure. Là, c'est bien la zone 2 UK. Il n'y a pas de sous-titres français, hein, apparemment. Donc, il n'y a que la version anglaise. Voilà. Et c'est sorti depuis. Bah, c'est en stock, en tout cas, sur le site anglais. Voilà. On passe sur. Alors, attendez, on va vérifier. Là, je reviens sur Amazon.com, le site américain. Ah oui, il y a plusieurs éditions déjà. C'est même moins cher aux États-Unis, hein, vous voyez. Là, on a la série complète qui est disponible. Ah non, soon, ils mettent. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont 8 en stock, d'accord. 19 dollars. 20 dollars, quand même, l'intégrale. Donc. Ah non, c'est première. Ah non, c'est que les deux premières saisons, autant pour moi. Ici, on a l'intégrale à 249 dollars, ce qui est un peu cher. Là, on a la série complète à 90 dollars. Ouais, ça vient à peu près. Ouais, c'est une version espagnole. Ouais, bon, vaut mieux se référer à la version anglaise qui est disponible hein, de tout à l'heure. On revient sur les sorties américaines ce coup-ci. Donc on retourne sur Amazon.com avec Doctor Who, la 12e saison, qui est déjà sortie 9 juin 2020, c'est écrit. Donc ça sort le 9 juin aux États-Unis. Voilà. Toujours pas sous-titré en français ni doublé en français. Là c'est uniquement anglais, sous-titré en anglais. Doctor Who, saison 12, à préférer en Blu-ray hein, pour la qualité. On rappelle que les Blu-ray ne sortent pas en France. Voilà, il n'y a que les DVD qui sortent en France.
Creepshow, première saison, aux États-Unis uniquement, zone 1 US. C'est déjà en vente sur le site, c'est sorti déjà. Voilà, 24 $, 25 $, l'intégrale de la première saison. On rappelle que cette série est diffusée sur Paris Première. Voilà, vous pouvez retrouver des épisodes en replay encore sur MyCanal, si ou sur Paris, ou sur les replays de Paris Première. Voilà, là on a la première saison intégrale en Blu-ray. Je crois qu'il n'y a pas de zone française dessus à vérifier. Mais pour l'instant, Creepshow, saison 1. Enfin, ça, je peux le vérifier. Attends, on va voir sur un autre site. Blu-ray.com. Voilà, là, je suis sur Blu-ray.com. Ils vont me dire s'il y a du sous-titrage. Creepshow, saison 1. Américaine. Non, ils mettent qu'il n'y a pas de sous-titrage, apparemment. Voilà. Autant pour moi. Donc, Creepshow, saison 1. En Blu-ray, une exclusivité pour l'instant américaine. On retrouve également sur le site anglais aussi, mais un peu plus cher, je pense. Voilà, donc Creepshow, c'est pas, ça va pour l'instant, ça ne sort pas en France, ça sort uniquement aux États-Unis. Autre série à sortir uniquement aux alors Pennyworth, voilà, Pennyworth qui sort, dont il y a une date de sortie pour la France aussi. Hein. Pour l'instant, ça vient de sortir, non, c'est le 23 juin que ça sort aux États-Unis à 24 $ en Blu-ray. Voilà, il y a une date, c'est annoncé également en France. Eureka, l'intégrale de la série, est diffusée déjà en France sur Série Club. Voilà. Eureka, je ne sais même pas si Eureka est sortie en France. Si, peut-être quelques saisons, mais je crois que celle-ci n'est plus disponible en France en tout cas. Là, on a une version Blu-ray qui n'est pas disponible en France pour le coup. La version Blu-ray. NTSC, donc la version américaine, à 42,99 $. Sortie le 11 août prochain. Voilà. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il y a du. Je pense pas qu'il y a du doublage français là-dessus. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore, vu que le DVD, vu que le Blu-ray n'est pas encore sorti. Voilà. Autre série à sortir uniquement aux États-Unis, les Short Treks. Ce sont ces épisodes spéciaux qui sortaient en injonction entre deux saisons de Discovery, notamment. Et entre Discovery et Picard aussi. Enfin, c'est plus lié à Discovery. Voilà, donc Star Trek Short Treks en Blu-ray. Uniquement aux États-Unis pour l'instant. Date de sortie de juin. Bah, effective, parce que apparemment c'est déjà disponible. Ah non, le 2 juin, c'est-à-dire le 2, à partir. On est le 1er juin aujourd'hui. Le 2 juin. Les Short Treks. Est-ce qu'il y a du sous-titrage? Je ne pense pas hein, qu'il y a du sous-titrage dessus. Voilà, mais ça je peux le vérifier. Alors, attendez, Short Treks. Pour l'instant, ça ne sort qu'aux États-Unis. Il n'y a pas de date pour la France et ça sera sûrement distribué aussi en Angleterre. Logiquement. Vu que c'est en anglais. Anglais, anglais, anglais. Non, pour l'instant, ça ne sort qu'en. On va vérifier si ça sort dans tout. On va faire tous les pays du monde. Apparemment, les Short Treks, ça sort en Angleterre le 13 juillet. Le 2 juin. Le 2 juin au Canada et États-Unis, voilà. Et apparemment, ça sort aussi en Australie, comme vous voyez, le 20 juillet en Australie. Voilà, Short Trek, version australienne le 20 juillet. Ensuite, non, ça sort pas en France. Pour l'instant, il n'y a pas de date pour la France. Je pense pas que ça sortira en France pour le moment. Projet Blue Book, la saison 2. Là, c'est en DVD pour le coup. Voilà, c'est DVD et ça sort aux États-Unis pour l'instant. Il y aura sûrement des sorties en Europe. Hein, pour cette. On rappelle que cette série, la première saison n'est pas sortie. Elle est sortie sur Amazon, mais pas en version française en tout cas. Voilà, projet Blue Book disponible. Saison 2 qui est. Dont la première saison a déjà été diffusée sur Warner TV France. Les 12 singes. Série déjà diffusée sur Syfy. Voilà, qu'on trouve sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être pas sur Netflix, à vérifier. En tout cas, les 12 singes intégrales de la série, en Blu-ray ou en DVD, 14 juillet. 14 juillet, et c'est en région A1. Sur Amazon.com. Isdak Materials, la première saison. Voilà. Série diffusée sur OCS en France, c'est du HBO. C'est vrai que j'ai pas trop accroché, personnellement. Voilà, donc en Blu-ray, le 4 août.
Et ça sort, il y a une date de sortie aussi pour la France. Castle Rock saison 2, Stephen King, en Blu-ray et en DVD. Voilà, le 21 juillet en zone 1 américaine. Voilà, format de TC, pareil, voilà. Et je crois qu'il y a une date pour la France à vérifier. Les Watchmen, série que j'ai déjà commandée pour ma part. Là, c'est la version américaine à 29,91 $. C'est sorti aujourd'hui aux États-Unis. C'est disponible aussi en format Steelbook. Il n'y a pas peu de changements, si ce n'est que le boîtier DVD. Alors moi, j'ai préféré la version classique, standard édition. Voilà. À noter que c'est une version internationale. Il y a tous les titres, il y a tous les sous-titres dessus. Regardez. Là, on est sur la zone 1 américaine. Ils disent bien 1080p, audio anglais, espagnol, français, allemand, sous-titres pareil, hein, brésilien, tout ce que vous voulez, chinois. Tant qu'à tout, il y a les langues françaises, vous pouvez l'acheter. Alors, vous pouvez l'acheter, j'allais dire aux États-Unis, mais non. Là, c'est écrit le 1er juin, mais à préférer l'acheter en version anglaise. Voilà. Pourquoi? Parce que la version anglaise, bah, c'est celle que j'ai commandée ce matin. La version anglaise, vous voyez. Là, on va sur le site anglais. Je vais vous montrer. Voilà. On va aller sur le site anglais, vous allez voir. Récemment acheté. C'est celui que j'ai commandé tout à l'heure. Ouais, c'est pas grave. Pourquoi il me donne moi? Ouais, d'accord. Alors, Watchmen saison 1. Voilà. Là, je l'ai commandé tout à l'heure sur. Je l'ai commandé sur le site anglais. Voilà, c'est la même chose. Zone 1 UK. Voilà. 28 livres 99. Sachant que c'est annoncé en France. Bon, ce qui changera, c'est juste que là, ça sera écrit en français. Et ça sera les mêmes choses. Hein, sinon, c'est la même chose. Pourquoi je ne l'ai pas commandé en français, mes chers amis? Bah parce qu'en France, ça a annoncé que pour le 19 août 2020. Voilà. Et on est quand même le 1er juin, donc j'allais pas rater cette occasion. Et comme je commande beaucoup sur le site anglais des DVD anglais, des films ou des. Voilà, qui sortent souvent en avance en Angleterre. D'où l'avantage d'avoir la même langue aux États-Unis et en Angleterre. Voilà, en tout cas, je vous conseille d'acheter la version anglaise, la version zone 2 UK en tout cas, qui contient des versions françaises, autant que des sous-titres français, entre autres. Watchmen saison 1, donc disponible en Blu-ray, pour ma part, série déjà culte, hein, pour ma part. Voilà. Donc. Watchmen saison 1, voilà. Également disponible aux États-Unis. Autre série que j'ai repérée, c'est Fraggle Rock. Voilà, de Jim Henson, série culte. Là, c'est que la première saison et c'est une version remasterisée. Voilà. Saison 1 et 2, pardon. Saison 1 et 2, remasterisée. Pour les fans de la série. Voilà, donc disponible. Je pense que c'est aussi disponible en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est Région 4 là pour l'instant. Région 4, il me semble c'est Australie, mais bon, à vérifier. Voilà, Red Wharf, disponible également en Angleterre. Là, on est sur le site. Bah, c'est les Anglais qui vendent. C'est la zone 1. Ouais, c'est les Anglais qui vendent ça sur un site américain. Vous voyez, Région B2, c'est anglais. Studio BBC. Donc c'est sorti en même temps sur UK et sur évidemment aux États-Unis. Red Wharf, qui est pas mal comme série. Voilà, j'ai fait le tour des quelques DVD que j'ai intéressants en tout cas dans Eureka, l'intégrale de la série. D'ailleurs, on va vérifier ensemble sur un site spécialisé s'il y a des voilà. Eureka, la série complète. Le site, c'est blu-ray.com, vous voyez. Blu-ray.com. On peut vérifier le contenu sur ce site de tous les Blu-ray qui sont déjà sortis et qui vont sortir. Donc là, je tape, vous voyez, Eureka, l'intégrale américaine et canadienne pour l'instant. Eureka Seven, ça c'est une série animée japonaise, rien à voir. Eureka, la complète série. Bah, ils savent pas s'il y aura des sous-titres vu que c'est pas encore sorti. Donc, voilà. Et c'est disponible à partir de la date indiquée. 9 juin. Oh, c'est mon anniversaire. Je pourrais peut-être le commander pour mon anniversaire, tiens. Ah oh, tiens, je vous commanderai peut-être Eureka pour mon anniversaire en version. J'attendrai s'il est disponible sur la version anglaise également. On va attendre parce que UK, c'est plus rapide à recevoir que. Bien que j'ai commandé plusieurs fois aux États-Unis sur Amazon.com et j'ai reçu ça en une semaine. Voilà. Eureka, l'intégrale de la série. Voilà, chers amis, c'était le point sur quelques séries DVD, Blu-ray surtout disponibles.
Très prochainement, on fera le point sur les DVD Blu-ray à sortir en France dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci de m'avoir suivi, chers amis, et je vous dis à bientôt.